Bouge-toi! Ferme ta caisse, cette pute! Ouvre ta caisse! Ouvre ta caisse, dépêche-toi! Dépêche-toi! Allez, ouvre ta caisse! Fais pas la maline, ouvre ta caisse! Tu bouges pas! Allez, personne bouge! Personne bouge! Vas-y, viens-toi! Occupe-toi des caisses! Il est où le gérant? Dépêche-toi, il est où le gérant? Bouge pas, toi! Bouge pas! Donne-moi ça, là! Bouge-toi! Bouge-toi! Bouge-toi, à terre! Bouge-toi! Viens là, toi! Bouge pas! Bouge-toi! Bougez! Voilà! Voilà! Bien, bonjour. Si vous êtes venu nous voir, c'est que vous avez des attentes, des besoins, et nous verrons tout à l'heure qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider, vous accompagner dans votre réinsertion. Vous allez d'abord me donner votre nom, si vous voulez, parce que je ne l'ai même pas. Nigar. Vous dites ? Anthony Feucci. Kader. Vous avez quel âge ? 35 ans. 32 ans. 25 ans. Vous êtes jeune. On s'en fout, allez, vas-y. Pour quel motif vous êtes allé en prison ? Pour des conneries. Arnaquant toujours, enfin en gros, j'ai trafiqué des chèques. Une bagarre a éclaté et ça s'est mal fini pour lui, quoi. On m'a piégé. Il n'est pas décédé. Compte tenu de votre attitude, je pense que nous allons en rester. Il a vraiment une tête de merde. Et vous avez pris combien ? 2 ans et 10 mois. Vous avez une mise à l'épreuve ? De 2 ans. D'accord. C'était la première fois que vous alliez en prison ? Non. Non ? Combien de fois, approximativement ? Arrête de me parler comme ça, là. Mais arrête, vas-y, va au but, tu veux quoi ? Je sais pas, vous aurez pas un endroit, une piole où je peux crécher ? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez envie de faire. Attends, je sais pas, n'importe quel job, quoi. Quelque chose qui m'apporte de l'argent rapidement. Il y a rien envie de faire. Vous n'avez rien envie de faire ? C'est ma mère qui m'a dit de venir. La réinsertion, pour moi, c'est un mot qui veut rien dire. Que toute ma gueule, là. Bon, allez. Elle est obligée de raconter sa life, là ? Est-ce que je te pose toutes ces questions, moi ? Non, mais c'est pas moi qui suis venu. Ah là, j'ai envie de me barrer, là. Vous barrez d'où ? D'ici. D'ici ? Ouais. Parce que ? Parce que tu me casses les couilles, là. Tu vas y arriver ? Fais doucement, s'il te plaît. Voilà. Bon, t'es sûr que tu vas y arriver, là ? Vas-y, touche-toi un peu. Touche-toi. Comme ça ? Ouais. Vas-y, continue. Ouais, je me touche. Ouais. Mais vas-y, je sais pas, là. Vas-y, laisse tomber. Attends, mais va, vas-y. Vas-y, lâche-moi la queue. Oh, viens, je veux pas les vexer. Qu'est-ce que tu fous là ? Ça va ? T'es sorti depuis quand là ? Pas longtemps. Ah ouais ? Et pourquoi t'as rien dit ? Et pourquoi toi t'es jamais venu me voir ? C'est bizarre, non ? Vas-y, je peux entrer ? Non. Qu'est-ce que tu fais là ? T'inquiète, je récupère les affaires, je me casse. Tu veux pas faire du café, s'il te plaît ? Tu m'as fait de ta pute ou quoi ? Tu fais quoi là ? Je te parle. Quel fric ? Te fous pas de ma gueule, il est où ? Je veux pas que tu parles, c'est bon là. Tu vois pas de quoi je parle ? Non. Viens là. Hé, je te préviens, je suis la tête de ma mère ! Tu me rends pas mon zèle, je te défonce ta gueule ! Je devais faire quoi, moi, Sam ? Ah, je devais faire quoi ? Putain ! Tu me fais chier avec ton fric, moi je me tape toutes les emmerdes, c'est ça ? Il est où le môme ? Tu dégages. Il est où le gamin ? Ça peut te foutre, hein ? Je te préviens, quand je rentre, je veux que tu sois parti. T'as compris ? Ouais, c'est ça, tiens. Mais deux couilles. Putain.
Ça va quoi? JP, j'ai appelé. Ça va quoi? Viens, ou quoi? Ouais, le retour, ça va, toi, pépère. Ça fait plaisir. Et tu peux faire mieux ou pas? Ouais, grave. Ouais, je sais pas. Ouais, le gros spell, ça va tellement le gros. Vas-y, dégage d'ici là. Dégage, j'ai son son, il est lourd ce son. Je sais pas, ça marche. Ça graille, ça graille. Ça arrive toujours. Après, on verra pour moi. Comment ils vont là? Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes là? Ouais, je te vois. Tu es ou quoi, ma gueule? La forme. Oh, c'est ouais, c'est du petit ou quoi? Il fait froid, tout ça. Ah, il fait froid. Ouais, ah non. Bien, tu peux en baisse? Comme t'as grandi. Alors, tu peux là, c'est complet à fleurir ou quoi? Bah non, t'inquiète, la Zermi, frère. Voilà, laisse tomber. Et ça doit faire longtemps que t'as pas ta robe, mon gars. T'inquiète. Attends, deux secondes. T'as pas du tosma là, vite fait? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en manque ou quoi? Mais non, c'est pas pour moi, me la cesse, frère. J'ai du scoolush, moi j'ai MDMA, CC, Bédo, ce que tu veux. Vas-y, CC, ça suffit. Viens. Ouais, fais-moi. Voilà, c'est de la bonne. Fais-moi confiance. Ouais, tout ce qu'il faut là. Ouais. Ok. Parfait. Vas-y, t'as le dosé là. Tiens. Vas-y, pas besoin de compter, fais confiance, qu'est-ce qui t'arrive. Bah, attends, je vais te montrer un truc. Vas-y, moi aussi, je vais te montrer un truc. Donne-moi ton stylo là. Oh ça, lève les mains. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Mais t'es un ouf toi. C'est pour Farid, non? Mais je remercie Farid, Farid il est mort. Farid il est mort, vas-y range-moi ça, je te le prends. C'est bon, c'est bon, je le range. Eh mais t'es un malade toi. Putain. Vas-y, moi, je me casse, je suis de spi là. Eh mais attends. Eh mais lâche-moi, qu'est-ce que tu fais la caméra avec moi là? T'as un gars. Attends, j'ai un truc à te dire. J'ai un truc à te proposer. Toi et moi, on va aller à Dan. On va pêcher 1 kg de C. La vie de ma mère, j'ai un plan là-bas de la patate atomique. C'est ça qui marche en ce moment. Vas-y, de quoi tu me parles? Tu me parles de C, de dame, que je m'en bats les couilles. J'allais avec ton grand frère, t'étais même pas encore à l'école. Ouais, Tarek, il est béton pour 3 piges pour du bédo. Maintenant, c'est moi qui fais tourner la baraque. Chose, frère. Haja, cousin. Putain. C'est. Ouais. C'est frère. Allez, j'ai bon. Pas trop ça, cousin. Bah, elle est super bonne. Non. Par contre, t'as du crack? Non, j'ai pas de crack. Demain, crack. Hey, Sam. Quoi, la méthode? Ça va, toi? Ouais, ça va. Alors, petit enculé, qu'est-ce que tu viens faire dans le quartier? Ça fait plaisir, hein. Tu passes même pas me voir? Bah, je suis là. Ça y est, t'as fait tes classes? Ouais. Je fais ma peine tranquille, peinard. C'est bien, maintenant t'es tranquille, t'as vu? Ça s'est bien passé. Arrêtez. Hakim. Je me souviens pas, je le connais, non? Non, tu le connais pas, c'est un nouveau. Moi, dis-moi... Moi, j'ai plein de problèmes, là, avec les petits jeunes, là, dans le quartier, qui me cassent les couilles. Moi, ce que je te propose, c'est... Passe me voir au resto. Hein? Viens me voir. Vas-y, je vais réfléchir. Tu vas pas continuer à dealer là pour tes petites barrettes, là, comme ça? Oh, j'ai de l'acé, hein. Hein? J'ai de l'acé, vite fait. J'ai pas grand-chose. J'ai coulé, je dois rediger. Écoute, j'ai un truc à te proposer. Tu passes me voir au resto, on en discute tranquillement et... Pas de problème, je réfléchis et je passe, Inch'Allah. Hein? Je réfléchis et je passe. Vas-y, mais réfléchis vite quand même, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hein? Traîne pas trop dans le quartier, s'il te plaît. Vas-y, t'inquiète, je m'arrache. Vas-y. À bientôt, Sam. Ciao, papa. Ouais, rentre bien. Ça va? Non, je t'appelle. Excusez-moi. Allez, bonsoir. Ouais. Excusez-moi, vous aurez pas une cigarette, s'il vous plaît? Une cigarette, c'est... Non, moi, j'en ai plus beaucoup. Ah, c'est pas le genre. Ouais, mais j'en ai plus beaucoup. Attends. Vous avez deux gros paquets de clopes sur la table, vous voulez pas... Tiens. Je te viens jouer, mec. Merci. Ouais, c'est de rien.
Ça va, il y a quelqu'un ici, excusez-moi, je me suis posé. Il y a quelqu'un. Il y avait quelqu'un, ouais. Mais la personne, elle est partie tout à l'heure. Donc, il n'y a personne. Donc, voilà. Ouais, si tu veux, il n'y a personne. Il y a toi, quoi. Merci. Ouais, donc je te disais, ouais, Félix Pigal. Ouais. Sympa. Je me présente, Sam. Salut. Aurore. Enchanté, Sam, Valentin. Ça va, Valentin? Ouais, ça va, ça va. Il est sympa, le quartier, non? Ouais, sympa, ici, c'est cool. Elle, la connaît pas trop, mais. Ouais, c'est bien. Ouais. Ah, vous connaissez pas? Moi, oui, moi j'ai habité là 2 ans, donc je connais un petit peu. Ouais. Mais nous, non, 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 bah non, en fait, on est en plein rendez-vous, si tu veux. Voilà, on se connaît un peu. Désolé de vous déranger. Je suis vraiment désolé de vous déranger. Ça va. Je veux juste me poser 5 minutes, fumer une stop, tranquille. Écoute, pose-toi, il y a de la place. Vous voulez pas un peu un côté? J'ai un petit sur moi. De quoi? Un peu de coco sur moi. Non, pas moi. Ah, toi, je sais pas. Non, moi, je touche plus à ça. Tu touches plus? C'est de la bebon à tes mucs. C'est des cailles de poisson. Ouais. Des cailles de poisson. Tu connais ou pas? Ouais. J'ai 2-3 jets à liquider, là, si vous voulez. C'est ce qui me reste, hein. Franchement. Sinon, je la vends pas. Hein? C'est à combien? 100 balles. Ah ouais, carrément. Ouais, je te fais un prix parce que t'es mignonne. Je te la fais à 80 balles. 80. Mais pas moi. Ça te dit ou pas? Tiens. Vas-y, prends un peu, va là-bas, va aux toilettes, goûte et dis-moi après ce que tu penses. Ok? Hein? Ouais. T'inquiète, Valentin, frère, elle va kiffer, tu vas la pêcher direct après. Les meufs qu'on apprenne, je te jure, bah, tu connais. Bah justement, c'est pas automatique. Mais... Pour les chemins, c'est relou, tu bandes pas bien et tout, tu vois, mais elle, tu vas la pêcher direct. Ouais. Tu vas voir, elle va être chaude de ouf. Ça va? Ça va. Je t'appelle comment? Vas-y, je te parle. Tu peux aller boire un verre? Non. Oh, t'as un joli chapeau. Hein. Voilà. Merci. Tu peux me rendre mon chapeau, s'il te plaît? Tu peux je te le rends. Tu peux me rendre mon chapeau? Je te le rends. Merci. Ça va? Non. Oh, tu veux pas aller boire un verre, vite fait? Non, merci. Oh, mais vas-y, arrête de faire genre... Lâche-moi! Lâche-moi! Je te dis, tu me lâches. Putain, c'est pas vrai, ça. Connard, là. Julie? Bah attends, s'il te plaît. Quoi? Bah attends, oh, 2 secondes. Quoi? Je vais te parler 2 minutes, c'est tout. J'ai pas envie de te parler, ça sert à rien, t'as pas compris? Bah déjà, je suis désolé pour la dernière fois. Ouais, m'excuse. T'es désolé? Quoi, que si ça te fait rire? Bah ouais, ça me fait rire, genre tu t'excuses là, c'est bon? Oh, vas-y, ça arrive, viens, on va parler. Et voilà, on se pose 2 secondes et on parle. Je t'écoute là, tu vas aller où? Je vais te parler du gosse. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le revoir un peu. Mais t'as rien compris, toi. Comment ça, j'ai rien compris? C'est mon fils ou pas? Bah, oui. T'en as rien à foutre de ce gosse? J'en ai pas rien à foutre. Bah, si, t'en as rien à foutre, arrête. Arrête. C'est bon, tu me saoules. Parce que, genre, t'arrives, c'est bon, tu t'occupes de ton fils, c'est ça? Vas-y, j'ai changé, j'ai envie de changer, là. Ah ouais, t'as changé? Ouais. Plus ma belle.
bien, mon cœur? T'as bien fait la moule? Non, ça va, t'inquiète, je suis en train de taffer, moi aussi. Allez. T'as froid, tu veux te réchauffer? J'ai de la bonne C, du quecra. Viens, amour. Vas-y, va te laver le cul, j'arrive. Allez, lâchez-le, là. Ouais, je dis Lou. Ça va, biche? Bien ou quoi? Ouais, ça va. Peut-être tu pourrais m'arranger quand même un peu. Ah, t'inquiète, je t'arrange, Vas-y, t'inquiète, c'est quoi ça? C'est ta grand-mère, ça! C'est ma grand-mère, ça? Ouais! Tu connais Lucioc? Je connais pas. Tu connais pas? On connaît pas, en fait. Jamais vu? T'es sûr? Jamais. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi? C'est mon oseille, ça? Ouais! C'est pas moi, il l'a trouvé par terre. Dis-lui que tu l'as trouvé par terre. Ouais, j'ai trouvé par terre. Vas-y, fais pas de choses sur la tête de ma mère. Toi, tes papiers? J'ai pas de papier. T'as pas de papier? Ouais, je marche, je suis pas loin de chez moi, là, si vous arrive. Alors, t'es sûr que c'est lui? Bien sûr que c'est lui. Mais quoi, c'est moi, je le connais pas, ce mec. C'est qui, toi? Allez, on l'embarque, allez. Mais qu'est-ce qu'on l'embarque? Ouais, c'est quoi votre délire, là? Allez, on y va, les gars. Rentre! Vas-y, rentre, je te dis, là! Doucement, doucement! Ouais, je vais te niquer de ta mère, Bon, vas-y, on fait quoi là? Tu sais que t'es dans la merde. Vas-y, je m'en bats les couilles, je suis pas dans la merde, j'ai rien fait moi, j'avais rien sur moi, je suis tranquille. Vas-y, rien à me reprocher moi. Non, t'as rien fait. Non, j'ai rien fait, je sors de prison, je me balade pépère, vous venez me casser les couilles là, comme d'habitude. Du fric, de la coke, du crack. Pour un mec en sursis, c'est pas mal quand même. Eh, je serais toi, je me ferais du souci. Mais toi, ferme ta gueule toi. Toi, ferme bien ta gueule. Parce qu'avec ta petite tronche de tapette là, je vais te défoncer. Ouais. T'es nerveux d'un coup là. Écoute-moi. Abbas, tu sais le mec qui venait te voir là? Cet enculé, il pense qu'il peut venir grailler chez nous sans payer l'addition. Tu trouves ça normal? Quoi? Je sais pas, je suis pas au courant. Je vois pas de quoi tu parles. Bien sûr. C'est pour ça qu'on vient de te péter en train de vendre de la cam au Travelo. Écoute-moi. Il faut juste expliquer à ce mec les règles. Et les règles, c'est quoi? C'est le partage. Mais je comprends pas, tu veux que je fasse quoi? Hein? Que tu deviennes son pote, comme avant. Ah ouais? Bah, tu vois, c'est pas compliqué. Non, vas-y, ferme ta gueule, toi, et si ça foire, je deviens quoi, moi? Toi, tu t'en bats les couilles. Ça, c'est pas ton problème. Mais qu'est-ce que c'est pas mon problème? Allez vous faire enculer, vous risquez rien avec vos insignes de PD, là. Détends-toi, Coco. Quoi? Détends-toi. Mais toi, détends-toi, je vais t'enfiler, tu vois, tu vas te détendre direct. C'est bon, t'as fini ton cirque? Devenir son pote, comme avant. Ah, mais t'es sérieux, toi? Tu veux que je fasse la poucave? Mais non, je vais rien faire du tout. Vas-y, laisse-moi, toi, descends. Vas-y, freine, petite tapette. Tu défourailles. Attends. Mitraille, vas-y, à toi, vois. Tu peux voir, après, si t'y arrives ou pas? Attends, tout ce qu'on va plus dire, c'est bon, c'est bien lavé, là. On va finir par le shampoing. On va te laver, là, les cheveux. Voilà. Tac, tac, tac. Juste un, deux, trois, bam. Voilà. Ah, c'est bon, là? Hein? Ça va? Hop. Allez, fais voir ta tête. Viens, viens. Tiens, ramène ta fraise. Bon, j'y vais, tu lui fais bouffer, s'il te plaît. Et moi, je fais comment? Mais je sais pas, tu te démerdes, je suis pressée, là. Mais non, c'est mort, j'ai un truc important à faire, je te dis. Mais moi aussi, j'ai un truc important à faire. C'est quoi, je finis de doucher, je te rends. Ah non, vas-y, non. Putain, tu fais chier, on avait convenu. Vas-y, commence pas à me casser les couilles, s'il te plaît, là. Il est là, Abbas? Abbas, il est là. Il est dans? Attends. Il est là de moi, tu sais. Ouais. Non, non, pour jeudi. Ouais, jeudi, c'est bon. Ok, allez, ciao. Ça va? Ça va, toi? Il reste encore beaucoup ou pas? Non, j'ai fini. T'as bientôt fini? Ben, c'est bon. Fini. T'as mangé? Non, mais ça va, t'inquiète. Viens, viens, viens. Tu vas manger. Merci. Ouais, merci. Moi, j'aimerais bien être à ta place, en vérité.
C'est beaucoup de boulot, hein. C'est ça. Ça, là, ce que tu vois. C'est pas comme ça. Quand ça marche. Tu sais qu'il y a des gens qui sont contents pour toi. Il y en a, ils se disent, ah là là. Lui, il a de la chance, hein. Moi aussi, j'aimerais bien manger un petit peu, comme lui. Il va le croquer. Quoi, t'as des soucis? Alors toi, tu veux travailler alors? Comme je t'ai dit, cousin. Hein? Je veux faire de l'oseille. Tu veux faire de l'oseille? Ça veut dire que t'es prêt à tout? C'est ça ma question. Bah pourquoi je suis là? C'est ce que tu vas faire. Tu vas trouver une petite voiture. Tu la gardes bien. Et tu la mets en règle. D'accord? Vas-y, construis-moi. Après, je t'explique. Bonjour. Bonjour. Il est là, Karim? Karim! Ouais? Il y a quelqu'un pour toi? Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu vois, je suis venu voir mon grand frère. Ah ouais? Ben ça y est, tu m'as vu maintenant. Cinq minutes? Tu veux pas que je travaille, là? Bien ou pas? Vas-y, avec ça. C'est maintenant que tu viens? Je viens peut-être de sortir. Non, ça fait une semaine que t'es sorti. Ouais, alors, je voulais pas déranger. Tiens, il faudra en racheter. Bon, direct au but, tu veux quoi, là? Ah, j'étais là, je passais dans le coin. Ah ouais, par hasard? Karim, c'est bon, t'as fait checker pour la scénic? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est réglé. Alors? T'as des projets? Non. Non? T'as pas un petit braco en vue, là? Je sais pas, une petite escroquerie? Ouais, c'est ça, très drôle. Vas-y, arrête de faire la hagar, s'il te plaît, là. Alors? Tu comptes faire quoi? Bah, je sais pas, j'en sais rien. Bah, dis-moi, toi, monsieur parfait. T'aurais pu faire n'importe quoi, espèce de petite merde. T'avais du talent. Quel talent? C'est très bien que ça mène nulle part, tout ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. De toute façon, la fin, tu la connais. Wallah, tu la changeras pas. Vas-y, je voulais te demander un service. J'ai besoin d'une caisse. Quoi? T'as besoin d'une caisse? Après tout ça, tu viens ici juste pour me demander une caisse? Ouais, mais c'est pas pour moi. Attends, tu prends pour un con, là? T'as besoin d'une caisse, pas pour toi, c'est quoi le délire? Ouais, vas-y, c'est bon, calme-toi, là. Je devais emmener le petit à la mer, il arrête pas de me demander. J'ai envie de le faire kiffer, c'est tout. T'as envie de le faire kiffer? Ouais, je te jure, c'est pour le petit. Continue à me prendre pour un con. Vas-y, s'il te plaît, carrément, mon service. Enlève tes mains. C'est une épave, mais le moteur, il est encore bon. Ouais, c'est bon, ça ira. T'en veux une? Non, merci. T'as de quoi faire le plein? Ouais, t'inquiète. Tiens. Oh, c'est bon. Ça. Allez, c'est bon, c'est pour le petit, c'est pas pour ta gueule. Oh, merci. Ça fait du bien. Au fait, tes liens te réclament. Prends pas de route, passe les voir à l'occasion. Encore une bonne droite, enculé, hein. Et je fais comment pour la sortir, la voiture, là? Tu te démerdes. T'es en retard, mec. Wesh, poteau, c'est comment? Mais qu'est-ce que tu fous, là, toi?
Putain, me dis pas qu'ils t'ont mis sur le coup. T'inquiète, mon frère, je gère le business. Mais tu gères rien du tout. Je t'ai dit de pas te mêler de tout ça et toi tu débarques. Eh, tranquille, la famille, hein. Wallah que j'ai grandi, hein. Pendant que toi tu dormais en zone, t'inquiète même pas le level que j'ai pris. Quel level? Oh là là. Ouais, t'es calibré ou quoi? Excuse-moi. T'es vraiment un gamin. Vas-y, range-moi ça. Je t'avais dit de pas te mêler de tout ça. Ah, fais-moi confiance, je t'ai dit, je suis plus un gamin. Tu me fais confiance. Je t'ai dit, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit de pas te mêler de tout ça. Vas-y. Mais t'as rien dans le crâne. Ouais, t'as rien dans le crâne. Ok, ok, c'est bon. Vas-y, laisse-moi venir, on va faire notre bail et c'est bon. Et je te préviens, c'est la première et la dernière fois. Ok, vas-y. Bah, vas-y, toi. Vas-y, parle-moi bien. Vas-y, je crois qu'on va rester à pieuvre dans la voiture, vas-y. Eh, les pizzas sont chaudes, y'a plus qu'à livrer. Thémas. Eh, la vie de ma mère, ouais. Eh, ils nous ont découvert. Regarde, Thémas. La spéciale, mon couillon. Thémas, c'est de la frappe atomique. C'est de la patate, la vie de ma mère. Wesh, ouais. Vas-y, ta gueule. Tiens, un peu, non. Vas-y, ta gueule, je te dis. Moi, ça me fait plaisir. Ceux qui bougent, pas pour ceux qui quittent. Ouais, ferme ta gueule, je te dis, Zabi, là, oh. Vas-y, c'est là. Bon, écoute-moi bien, tu me laisses gérer, ok? Vas-y, fais ta vie, je fais ma vie, je sais très bien ce que j'ai à faire. Tu sais rien du tout, tu fermes ta gueule, je t'ai dit. Tu me laisses parler. Vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer. Wesh, ouais, si t'arrives là? Mais sur la tête de ma grand-mère, je vais t'enculer, je vais faire vie de ma mère! Sur la vie de ma mère! C'est ça le gamin! Je suis pas ton qui, je t'ai dit! Sur la tête de ma grand-mère, je vais te fumer! Espèce de pédé, va! Sur la tête de ma mère, je vais te fumer! Je vais te fumer, espèce de pédé! Wallah, je vais te fumer! Vas-y, tire! Wallah, je vais te fumer! Vas-y, t'es un bonhomme, vas-y, tire! Vas-y, tire! Espèce de pute, va! Espèce de pédé, va! Sale tapin, va! Sale tapin! Vas-y, les monte dans la gova! Ce qu'il te faut de plus, là, on a. Monte dans la gova! Culé, va! Tu me mets dans la merde, moi, comme ça? Ça va culer, va, t'as tout niqué! On a le dire dans le truc, on leur a montré c'est qui les bonhommes, là, ces fils de pute! Moi, je t'ai dit, je vais aller loin! Vas-y, monte! Je suis pas ton petit, moi, je t'ai dit, je suis pas ton petit! Ferme ta gueule! Je suis pas ton petit, vas-y, me casse pas les couilles, me casse pas les couilles, vas-y! T'as voulu faire le grand? Vas-y, gère ton truc, moi. Ok? Lâche-moi, lâche-moi! Gère ton truc, j'espère. Tu fais le grand, vas-y, fais le grand. Tiens, chef, c'est bon? C'est quoi ça? T'inquiète pas, il est au courant en face. Non, t'inquiète pas, regarde. Appelle-le. Eh, dis-lui, c'est un cadeau de Rachid. T'as vu, c'est pas difficile, non? Hein? Regarde, c'est bon. Vas-y, viens, je connais un bon
Eh, s'il te plaît. Eh, s'il te plaît. Eh. Vas-y, raconte alors. Oh, c'est... C'est qui t'a dit de t'asseoir? Je te dis, raconte-moi, toi tu t'assois, tu t'installes, tu fais comme si t'étais à la maison, quoi. Pour m'asseoir? Non, raconte, raconte. C'était, tu vois, quand on arrivait... Ah, vas-y, assieds-toi, parce que là... Tu vois, quand on est arrivé, Zarma, il y avait le Renoir là, Zarma, voilà, pas crédible, pas sympa, il est arrivé. Direct, il m'a dit, tu vas faire quoi? Le mec, il t'a dit ça? Ouais, le mec, direct, il arrive, il fait, tu vas faire quoi? Moi, je le regarde comme ça, je dis, comment ça, je vais faire quoi? Après, il a commencé, Zarma, à s'exciter, ouais, on va vous niquer, après, il a surenchéré, on va vous foutre la hagra, on va vous niquer, vos mères, moi, ça m'a vénère, tu vois. Alors, j'ai marqué un temps d'arrêt. Regardez ça comme ça. Et là, j'ai pris la crosse. Et bim, je mets un coup, ce fils de pute. Je lui ai niqué sa mère à ce fils de pute. Voilà, après l'autre Sam, il est arrivé. Voilà, on les a baisés. Bam, coup de crosse. Tac, tac, tac. On les a défoncés. Voilà, après, ils étaient en sang par terre. Voilà, après, ils sont devenus des petites salopes, des petites suceuses. Ils étaient là, ouais, arrêtez. Voilà, après, je me suis dit, voilà, comme ils se sont rabaissés, ils ont voulu nous tester. Moi, j'ai dit, moi, c'est comme ça. C'est ma devise, c'est joue pas le foot, t'es pas fou. Voilà, je joue pas le foot, t'es pas fou. Tu joues le foot, on te nique ta mère. On leur a niqué leur mère, c'est pour ça qu'on a. Et puis je t'ai montré qu'on était des bonnes, on t'a ramené le tosma et l'oseille. Comme ça, on est bien. C'est passé comme ça? Hein? C'est mon mec sûr. Ouais. C'est mon mec sûr. Ah, comme je t'ai dit. Tu me casses les couilles, Rachid, je t'ai déjà dit! Putain! Écoute-moi, Rachid, on a déjà parlé plusieurs fois. Même Hakim, il t'a dit. Même Ali, t'en a parlé. Et toi, tu fais toujours les mêmes conneries. Je sais pas ce que t'as dans ta tête. Je l'avais dit, moi, je lui ai dit à Abbas aussi. Je lui ai dit toute la soirée, je lui ai dit, j'irai pas arrêter de m'embrouiller avec lui. Viens, est-ce que tu réfléchis quand je te parle, quand je te dis quelque chose, tu comprends ou pas? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Quoi, c'est bon, quoi, c'est bon? J'ai dit quoi? J'ai compris. Hein? T'as compris quoi? Casse-toi. On va te donner ton argent. Tu te casses. T'as compris? Ah, je comprends. Bon, vas-y, dégage. Hakim. Oui, Abbas. Non, tu bouges. Bouge. J'ai un petit problème avec les flics. Ah ouais? Et qu'est-ce qui se passe? On a repéré la petite balance, là. On sait qui c'est maintenant. Sérieux? Oui. J'ai demandé un petit service, j'aimerais que tu me trouves un ou deux cas. Bien. Hein? Ouais, ok. Et tu me nettoies tout ça, tu me fais un truc bien, bien propre. Que j'ai pas la merde derrière, que je sois pas obligé de repasser, nettoyer, tout ça. D'accord ?
T'as une idée des mecs que tu vas trouver ou pas? Ouais, j'ai un gars, je pense, un gars, t'inquiète. Il est bien? Ouais. Bon, vas-y. Viens par là, qu'est-ce qu'il y a? Viens par là. Vas-y, c'est bon. Ferme ta gueule, viens. Vas-y, avance. Qu'est-ce que t'as, mon frère? Tu tires une gueule, on dirait que t'es pas content de nous voir. On a les postes tranquilles, on va discuter. C'est quoi votre embrouille, là? Pourquoi tu balises? Trois potes. Que je me fasse buter ou quoi? Au cirque, pense à ta petite pute et à ton business. Tu cherches quoi, hein? Tu veux retourner au placard, c'est ça que tu veux, hein? Tiens, lève ta main, toi. Vas-y, vas-y, je te dis, touche plus à tout ça, là. John, mets-toi tranquille, reste tranquille. On est sur une grosse opération. Je veux tout savoir. Tout. Ses plans, ses caves, ses maîtresses, tout. Tu m'entends? Allez, viens, on se casse. Eh, Sam, n'oublie pas, ça urge. Dépêche-toi, hein. N'oublie pas, camarade, hein. Vas-y, casse-toi. Je nique ta mère, fils de pute. Ça va? Il fonctionne pas, mon garçon. T'as mangé? Ouais, j'ai mangé. Ah ouais? Et t'as mangé quoi? J'ai mangé des bonbons, des gâteaux. Ouais, c'est pas manger ça. Attends, je vais voir ce qu'il y a, j'arrive. Et je prends là. À bouffer, tu veux pas aller faire des courses là? Oh, je te parle! Tu fais jamais les courses ici ou quoi? Ça va, c'est bon? Hein? Oui, c'est bon. C'est encore chaude? Non, c'est pas chaud. C'est vrai? T'en veux des autres? Elle joue, elle est pas moi. Hein. Non, elle est pas moi. Comment ça, elle est pour toi? Attends, tu vas voir. C'est quoi? Regarde ce qu'il a dans la gueule. Regarde. T'as vu? Alors, la forme? Alors bien. Tranquille et toi? Ah là là, je suis content, on m'avait dit que t'étais sorti. Eh ouais, on est là. Ça fait plaisir que tu passes voir là. Ouais. Toi, t'as pas changé ma gueule, hein? Non, bah t'as vu, moi ils m'ont lâché ça fait 6 mois. Ouais. J'ai repris les bonnes vieilles habitudes, tu vois. Ouais, t'es sur terre-terre, tranquille. Les petits soldats, ils sont là. Ouais. Et à
quoi, il y a eu des histoires depuis ou pas? Je rappelle de Sofiane Lacrête, là. Ouais. Ah, il s'est fait soulever par une équipe de Grigny, je crois. Non. Ouais. Ici, là? Ouais. Ah, ils sont venus le chercher jusque-là parce qu'il avait forniqué avec la petite sœur dans des grandes larabes. Ils lui ont fait quoi? Ah, il s'est fait monter en l'air. Tu vois le panier de basket là-bas? Ouais. On l'a retrouvé la tête dedans, frère. Ils l'ont monté, ils l'ont posé comme s'ils avaient dunké avec la mise. Ils l'ont fait là. C'est sérieux? Après, voilà, tu connais ces histoires-là, on rentre pas dedans. Ah, mais écoute, en vérité, je suis venu me voir pour un truc précis. J'ai besoin de monter une équipe. Mais des mecs sérieux, frère. Parce que c'est un truc chaud, ça va être du lourd. À l'ancienne. Si t'es OP, si t'es toujours là-dedans. Ah, si c'est pour toi. On ride ensemble. C'est vrai. T'inquiète pas, moi je te dis. C'est toi, c'est comme ma famille, tu vois. Vas-y, arrête-toi, c'est là. Vas-y, c'est le mec qui est devant là, avec le cul en train de fumer sa clope. Attends. Mais t'attends quoi? Il est là, t'as le tarpé, il est chargé ou pas? Ouais. Vas-y alors, t'attends. Putain, je te crois pas, tu battras. Vas-y, passe-moi ça là. Vas-y. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est une bonne soirée. Ouais, c'est chambé, je te jure. T'as vu? Ça te déchire. Ouais. Dis-moi, c'est qui le mec là-bas, là? Ouais, c'est lui, Eddy. Bon, je te parlais, là, tiens, c'est le mec qui est venu avec moi. C'est lui, Eddy? Ouais, c'est lui. C'est lui qui était avec toi? Ah, ok. Oh. C'est joli, hein, c'est bien. Ouais, joli, ouais. Ouais, belle. Salut. Tu vas cracher ici encore longtemps? Avec un temps, le petit vient de se coucher là. Tu prends pas la dame, maintenant? Hein? Bah, vous, ça te fait kiffer en fait, hein? Je sais pas. Ça va durer combien de temps encore? T'inquiète, je vais te ramener de l'oseille. Non, c'est ça.
Laisse-moi juste un peu de temps, c'est tout. Comme la dernière fois. T'es où, là? Non, putain, mais va dans ta chambre, là, je t'ai dit, va dans ta chambre. Qu'est-ce que je t'ai dit, là? Non, je peux pas, là. Non, je te dis que je peux pas, là, putain. Putain, arrête, mais t'as plus de couilles ou quoi? Putain, je t'ai dit d'aller te coucher, là. Dégage. Je te dis, t'es aussi gros que ton père, toi, dégage. Dans ta chambre, hey, je t'ai dit, dans ta chambre. Arrête. Eh, hey, mais calme-toi, tu vas te faire pipi, là. Tu vas te faire pipi, là. C'est mon père, je fais ce que je veux, t'as compris? Tu te prends pour un père, hein? C'est ça? Mais il est où le tien d'abord? Les gars, je vous présente Sam. Tiens, pousse-toi un peu. Tu connais mon frère Ali? Ouais, je l'ai déjà vu. Bon boulot, hein. Psartik. Hafid, qui est spécialiste dans les transports. Et justement, là, Hafid, il a une petite commande de Père Noël, là, bientôt. Et on a pensé à toi. Hafid, qu'est-ce que tu penses si on met Sam un petit peu en gérance là-dessus, sur cette affaire? Si t'es OK avec lui, moi, ça me va. Allez, les gars, on boit un verre pour ça. Ouais. Allez, je te sers. Whisky, comme d'habitude. Voilà. Comme je t'ai dit, on a d'autres projets pour toi. D'accord. Et dis-moi, avec le... ton copain, là, Zama, là, il a une sale gueule, là. Il est fiable au moins, ou là, c'est encore un rigolo de la cité? Eddie? Je sais pas, Eddie, là. Il... on peut lui faire confiance, il est fiable. Je vous ai dit, c'est comme la famille, lui. On parle pas trop, ça va? Non, non, compte sur moi. On a eu des problèmes avec l'autre, là. Rappelle? Ouais. Rachid. Il était bon, lui. Tu sais que tu mets ta vie en jeu? Bah écoute, Mahbabek, hein. Bien sûr. Allez, gars. Allez. Sam, bienvenue parmi nous. Thank you.
Vas-y, faut que je parle à Julie. Elle veut pas te parler. Vas-y, frère, faut que je dise un truc. Vas-y, je t'ai dit quoi? Elle veut plus voir ta gueule. Reste tranquille. Vas-y, casse-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, dis-lui d'aller se faire foutre à ce connard là, c'est bon. Ah ouais? T'as entendu? Vas-y, bouge. Hey, écoute-moi bien là. Barre ta gueule d'ici là. Ah ouais, tu fais chaud parce que t'as un couteau? Bon, tu fais ce que t'as à faire, je m'occupe des autres. Vas-y, suis qui le dos, c'est le mien. Alors, espèce de fils de pute. Toi, tu m'empêches de voir mon gosse, toi? Tiens-moi ça. Écoute-moi bien, fils de pute. Écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu vas dans le secteur, ok? Ok. T'as compris? T'as compris? C'est bon, c'est bon, t'as rien entendu? Ok. Petite pute. Baise-le, cet enculé, là. Comment ça? Faites même pas les mains. Moins de couilles sur le couteau, là. Bouge pas, reste mignon, toi. Reste mignon, reste mignon. Toi. Bah, je suis sur mon terrain, mon frère. Vas-y, trace ta route, casse-toi. On de la bière, vas-y, viens. On va fumer 2-3 tards, on va boire un verre. Viens, on va se poser là-bas de l'autre côté. C'est qui avec toi là? Vas-y, c'est la famille, t'inquiète. Et derrière? Hein? C'est Mdaibi, vas-y. Vas-y, la famille, t'inquiète. Démarre. Tu veux chier? Vas-y. Tu veux quoi, crapule? Oh, la dernière fois, t'as vu? Je dis peut-être j'ai déconné, tu vois? Sans chier, j'ai déconné. Mais vas-y, t'as grave déconné, t'as que dalle, toi. Tu sais comment c'est, tu vois? T'as envie de. Voilà, depuis que mon frère est le Hebs, moi j'ai envie de monter, tu vois? Je suis habitué à l'argent, moi je fais ça pour m'en sortir. Après, j'ai peut-être déconné avec la meuf, mais après, il a abusé. Après moi je veux. C'est pas voilà. Ça, moi je te dis, fais-toi tout petit. La vérité, moi je les ai entendu parler la dernière fois quand t'es parti, ils m'ont dit. T'es tricard mec. Moi je te dis t'es tricard. Ouais mais. Faut que tu m'aides. Tu veux que je t'aide de quoi? J'ai voulu t'aider, je t'ai dit fais attention, on va faire le match, tu fais le par jour là. Ouais mais on a grandi ensemble. On a grandi ensemble, mon frère, il t'a fait croquer. Maintenant, toi, tu vas me faire croquer. Si, ah bah, c'est pas grave, ça marche pas, je vais me faire discret. Quelque temps, tu me dis, je taille même au bled. Si tu veux, demain, je taille au bled. J'ai trois semaines. Taille au bled demain, je te dis, taille au bled demain. Bah, je vais tailler, il n'y a pas de problème. Je passe au consulat, je fais mon passeport, je me taille. Mais après, quand je reviens, on fait des affaires ensemble. On n'a pas besoin d'Abbas. Vas-y, toi, après, je me ferai plus discret, je ferai moi le ouf, mais voilà. Ouais, frère, il y a déjà plus de tease là. Mec, tu casses les couilles, y'a que toi qui bois depuis tout à l'heure. Alors, vas-y, allez, vas-y, envoie-les racheter des trucs. Ouais, allez, racheter de la tease. T'as du bif? J'ai juste de moi de l'oseille. Tu fous de ma gueule ou quoi? Je t'ai fait des 40 balles tout à l'heure. Où les 40 balles? J'étais ébou, ça y est, y'a plus rien, mon frère. Vas-y, donne-leur de l'oseille, Rachid, là, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, je te fais le 40 balles, c'est bon? Juste rajoute 10 balles, parce que je lui ai fait un chrome à l'autre but, rajoute encore 10 balles. C'est sérieux, tu crois que je vais payer? Moi, c'est moi qui vais assumer tes comptes. Soir ce, assure-moi. Un main deux, tu me les assures, les 10 balles. C'est 40 pour moi, les 10 balles, la vie de ma mère, tu me les rends demain. C'est calme. 32,64. Vas-y. Je vais quoi? Casse les couilles, lui, voilà.
pas me faire confiance. Hein. Je te fais pas confiance. Et c'est pourquoi je te fais pas confiance, parce que t'as gueudin. T'as gueudin, on va faire un truc normal, on doit échanger un truc contre un autre truc. C'est le business, c'est comme ça, c'est un taf. Et toi, tu viens, tu fais ton malade. T'inquiète, wallah, je t'en veux pas. Laisse le mec, t'as fait mon wallah, t'es comme un grand frère pour moi. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète, je vais seb, ça reste. Bon, tu vas voir, on va s'en sortir, la vie de ma mère. Wallah, ils me prennent pour un petit, tu vois. Hey, toi là, viens voir. Wesh, t'arrêtes toi. C'est Sab. C'est qui? Samy. T'as vu l'heure qu'il est là? T'es venu faire quoi là? Bah, tu vois, je me suis trompé de route, je suis venu. Vas-y, rentre. Rentre. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Sam? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh, hey, dis-moi, regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi dans la merde? Je suis dans la merde. Rien à me dire. Tu te pointes ici à 2h du matin, bourré, et t'as rien à me dire. Vas-y, parle, les épées, putain. Je veux pas te mêler à tout ça. Tu m'as mêlé déjà. Il se passe quoi, Sam? Parle. Je serai jamais un bon père comme toi. C'est ça que tu veux savoir, que je suis une merde? Hein? C'est ça, ça te fait plaisir? Non, c'est pas ça que j'avais dit. C'est pas ça que j'avais dit. Je sais pas, j'ai l'impression que tu me juges tout le temps, là. Je te juge pas. Tu me dis que je suis pas un bon père. Tu sais ce que c'est pour être un bon père, c'est quoi? Le béaba, c'est de s'occuper de son gamin. Tu t'en occupes de ton gamin? Tu le vois? Tu le sors? Ah là, je me suis rapproché de lui, je suis sorti un peu avec lui, tout ça. Et j'ai l'impression que je serai jamais son père. C'est pas comme ça un père, c'est pas juste arrive, voilà. Tu fais trois trucs avec lui et c'est bon quoi. Ouais, si tu traînais moi avec les ramassis de fils de pute avec qui tu traînes, donc t'es quoi de mes couilles là? Je te dis. Moi c'est trop tard, j'ai passé la limite, ça y est, c'est... Non, toi t'as décidé que c'était mort. C'est pas mort. Je peux pas revenir en arrière. Non, c'est parce que tu t'en bats les couilles, t'as pas envie. T'as pas envie. Tu crois que c'est un claquement de doigts, c'est comme ça les choses. Non, mon frère, il faut assumer. Qu'est-ce que tu fais là, tonton? Oh, ma puce, on t'a réveillé? Oui, j'ai entendu te fouiller. Oh, je suis désolé, c'est papa qui fait des bruits. Regarde, tu sais ce qui ferait plaisir à tonton? Non. C'est que t'as lui faire un gros câlin. D'accord. D'accord, et après tu retournes te coucher. D'accord? Allez, vas-y. Fais vite. Ça va, ma belle? Oui. Désolé de t'avoir réveillée. Pas grave. Bon, allez, va te coucher. Ça y est? Oui. Allez, viens, on est reparti. Allez, gagne au lit. Salut. À demain. À demain. Allez, au lit. On est reparti.
Attends, tiens. Tu fermes ta gueule. Vas-y, te chute là, toi, t'es plus. Ferme ta gueule, on va t'expliquer. Aïe. Ok. Envolé. Laisse-moi, tu le voulais, là. C'est dans le canapé. Calme-toi, on va t'expliquer. Vas-y, c'est bon, je calme. Vas-y, enlève ta main, c'est bon, je vais pas bouger, je suis attaché, t'inquiète. Calme, tu restes tranquille. Vas-y, c'est bon. Je t'écoute. C'est bon. Vous avez une voiture. Hey, vous touchez c'est pas là, c'est chez moi. Vous faites quoi, c'est moi qui pose des questions. Vous faites quoi chez moi là? Vous faites quoi chez moi? À ton avis. Vous chez moi, vous cassez chez moi. Vous faites part à ma famille. J'ai le droit de savoir. J'ai le droit de savoir. Pourquoi? C'est chez moi, c'est pas chez lui, hein. Et pourquoi vous faites ça? Oh, avec deux conneries, qu'est-ce que vous voulez? Toi, t'as fait quoi? C'est bon là, c'est bon, j'ai rien fait. Quoi, t'as rien fait? Mais c'est quoi cette merde? Ils ont rien du tout, ils ont rien du tout. Eh, c'est bon, mettez-les-moi dans la chambre. Lâche, viens là, toi. Tu fais ça chez vous, devant de face. C'est chez moi ici. T'as pas honte? Hein? Si tu gagnes ta vie, c'est ton problème. T'entends? Merde, laissez-moi. C'est où? Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que vous foutez ici? Eh ben, devine. Ah, c'est revenu pour toi. Ben, je sais pas, moi. C'est à toi de me dire, non? Ah, tu sais pas. Alors, moi, je te demande d'être encadré sur Abbas. Et toi, tu butes un type qui travaille pour nous. T'es complètement con. Hein. Je suis pas au courant. T'es pas au courant. Arrête de te foutre de notre gueule, là. Je suis pas au courant, je te dis quoi? T'as des preuves, toi? Toi, t'as des preuves? Dis-moi, un meurtre, tu sais ce que ça coûte? 20 piges. C'est ça que tu veux? Je m'en bats les couilles. Ah, tu t'en bats les couilles? Ah bah si tu t'en bats les couilles, alors... Allez, embarquez-moi ça. Moi, j'ai tué personne, ok? Ça suffit pas, bonhomme. Ça suffit pas. Et Abbas, je peux te le donner. C'est ce que tu veux, non? La basse. Ouais. Bon. Combien? Je t'ai dit, 550, 600, il y aura tout le monde, voilà, tu veux quoi de plus? 550 ou 600? Je sais pas, tu crois que je suis un comptable, ils m'ont dit il y aura une grosse quantité, voilà. Vous verrez sur le moment, quand vous sauterez les gars. C'est bon pour toi? Eh, hey, doucement, doucement. Eh, hey, fais pas de convoi, s'il te plaît, vas-y. Tais-toi. Bon. C'est pour quand ton truc, là? Je t'ai dit, c'est pour bientôt. Laisse-moi juste un peu de temps et c'est... Tiens. J'espère que ça va marcher. Parce qu'après, c'est fini, hein. Je parle plus de couvrir, moi, c'est fini. C'est bon, je peux y aller, là. Ouais, tu peux y aller. Vas-y, enlève les pinces. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y, tu t'es toujours mal, j'ai déjà acté comme ça, toi. Sûr. Tiens, prends ça, petit cadeau. C'est quoi, ça? Des fois que tu te perds. Vas-y, c'est bon, passe, passe. T'as de la passe, vas-y, passe. Ouais, je te dis. Bien. Bien, et toi? Vas-y, tu m'as fait venir ici, tu veux me dire quoi? Ouais, je te parle d'un truc, t'as vu? Bah, vas-y. Bah, tu sais que dans le quartier, je suis au courant de tout, ma gueule. Ouais? Je comprends pas, t'as pas un truc à me dire, là? Je sais pas.
Bah vas-y, ton pote, du coup, accouche. Je pensais que tu me dirais les choses, putain, depuis le temps qu'on se connaît. J'ai appris que les keufs, ils avaient pété la porte de chez ton frelon. Donc j'aimerais savoir s'il y a un problème avec les keufs. Mais c'est pas tes affaires, ça. Tu rigoles, là? Comment ça, c'est pas mes affaires? Eh, écoute-moi bien, quoi. Le jour que tu m'as appelé pour qu'on aille dessouder un type, je l'ai fait sans rechigner, d'accord? Maintenant, je retourne pas au star, moi, pour qui que ce soit, ok? Je risque plus de 20 piges, là. Donc s'il y a une histoire avec les keufs ou quoi que ce soit, ils sont sur ton dos, il faut que je sache ça, tu comprends? Tu t'arraches, ici. Ils vont sauter tout le monde. La putain de ta race. T'as mangé chez ma daronne, enculé, on se connaît depuis 15 piges, 20 piges, 20 piges. Je porte les courses de ta mère, moi, et tu me dis ça. Allez, tu galeries. Non, j'ai merdé, j'avais pas le choix. Voilà, j'avais pas le choix. Dis-moi que tu galeries, comment ça t'avais pas le choix? C'est taïf, ça. Comment ça t'avais pas le choix? Eh, tu sais quoi, m'adresse plus jamais la parole, salon de pute, voix. Eh, je veux plus entendre mon blas sortir ta mousse, t'as compris? Sale pute, voix. Ah, viens. Avec moi. Viens. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Tu me fais confiance ou pas? Je te fais confiance. Là, je vais aller chercher maman et je vais revenir avec elle. D'accord. Je te le promets. Je t'appelle tout à l'heure. Pardon? J'ai un truc à faire, je t'appelle tout à l'heure. Un truc à faire? Ouais. T'as rien à me dire? Quoi? Rentre, j'ai dit quoi? C'est Mouloud, il arrive. Sam, tu vas à Bordeaux? Toujours à Mouloud. Non, Mouloud, il arrive. Il descend peu à Paris directement, il va à Saint-Denis, il va dans un bordel. Non, il n'y a pas une Karima ici. On fait, ouais, on a une Karima, bon. Présente une Karima top modèle et tout. Vas-y, il monte, il fait son truc. Et il fait combien que c'est? Il fait, voilà, c'est 100 euros. Le mec, il finit, tac, il lui donne 200. Il fait, ah, c'est super gentil, normalement c'est 100 euros, mais bon, 200, bon, pareil, toute la semaine comme ça, 100 euros, le mec royal, il paye 200 euros le dernier jour. Et il fait, voilà, c'est mon dernier jour. Bah, il s'éclate, il la déchire dans tous les sens, il lui laisse 500 euros. Alors, il fait, mais dis-moi, t'es trop gentil, dernier soir, en plus, 500 euros. Il fait, attends, t'es bien Karima? Ouais, Karima Ben Salem, oui, tu habites à Alger. Fais ouais, oui. Bah ben, c'est ton père, il m'a donné 1500 euros pour te les donner. Oh, ah, tu la merde, là. C'est la merde, c'est... Alors, tiens, j'en ai une autre, tu la connais pas? Ben, je les connais, tes histoires. Alors, laisse-moi raconter. Allez, laisse-moi. Toi, Hafid, tu les connais pas, vas-y. Je raconte pas, je raconte pas. Non, Hafid, je te dis un truc. Tu m'as niqué la soirée. Non, je t'ai rien niqué du tout. Allez, arrête, allez. Tout le temps, à chaque fois, tu monopolises. Laisse-le parler. Non, c'est Francine, une Française. C'est pas un truc de Karima ou un truc. Commence pas à me saouler. Je raconte ou je raconte pas? Vas-y, raconte. Donc, si Francine, elle arrive, elle voit deux. Attends, mais c'est une Française, hein, que tu ne confonds pas avec les gens de chez nous. Donc, elle arrive, elle voit une queue, des gens, ils attendent, elle voit banque de sang, banque de sperme. Là, les gens, ils font la queue, elle lui donne 100 euros. C'était Karima, là. Non, c'est pas Karima. Et où il y a les mecs, c'est 200 euros. Ah, tiens, moi, je vais pas faire là-bas le sang, je vais aller au sperme. Elle fait la queue avec les mecs. Elle arrive, il arrive son tour, on lui fait, hey, madame. Et tu voyais pas, c'est marqué pour les hommes. Vous, c'est là-bas. Elle s'en va. 10 minutes après, elle revient, elle fait la queue encore une fois chez les hommes. Le mec lui dit, hey, on vous a dit qu'ici, c'est banque de sperme, c'est pour les hommes. Il fait... Dégueulasse. T'as toujours des blagues dégueulasses. Non, mais... T'es putain, Bernard. Non. Elle est bonne. Il a pas connu celui-là. Ouais. Tu la connais pas, celle-là. Ouais. Moi, je t'en ai entendu, celle-là. Celle-là, elle était bien. Mon frère vient d'en sortir une. Enfin, elle est bien. Mais attends, Khoya, c'est pas fini. C'est là toute l'année, je vais te raconter. Non, c'est bon, attends. Ça va, t'es prêt pour le grand jour? Ouais, carrément, je suis prêt, ouais. Tu sais que c'est pour demain? Ouais. Quoi, ouais? Ah, demain, je suis là. Fais toujours ça avec Eddie. Ah, Eddie, c'est mort, il a chopé un truc là, il est cloué au lit. Ah, il est cloué au lit. Ouais, il a mangé un truc et je sais pas, intoxication alimentaire, il est parti à l'hôpital, ils l'ont lavé l'estomac. Il est pas bien. Ah, il est pas bien, ouais. T'as vu? Eddie, il est malade. Ouais. T'as demandé de nous raconter une histoire drôle, pas de nous prendre pour des baltringues. Ouais, moi je vous prends pas pour des baltringues. Ouais. Non, mec, tu nous le racontes là, Sam. Il est vraiment malade. Eddie, il est malade.
Je te jure, c'est pas une blague, Abbas, il est malade. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? On va te mettre un noga, c'est pas grave ça. Parfait. Bon, très bien. Ce qu'on va faire, on va prendre des nouvelles d'Eddy. Ah, mais te prends pas la tête, je te dis, il répond pas au téléphone. Je l'étais avec lui tout à l'heure, il répond pas, je te jure, ça sert à rien de l'appeler. Non, non, on va prendre de ses nouvelles, Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade. Tiens, vas-y, appelle-le. Tu dis d'appeler, appelle. Mais je crois qu'il a pas pris son téléphone avec lui. Je l'appelle moi alors. Préfère que j'appelle moi. Non, vas-y, donne, je vais l'appeler. Vas-y, appelle. Intoxication alimentaire. Je savais que c'était une pute celui-là, mais c'est pas... Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas, toi, tête de ma mère. Et bouge pas, je recule, recule. Avance pas, toi, espèce de punir. Avance pas, vas-y, ferme ta gueule. Avance pas. Eh, je le tue. Bouge pas, je le tue. T'as ma parole, je te tue. Prends la clé de la voiture. Reviens. Bouge pas! Bouge pas! Reste là! Reste là! Bouge pas!
Hey, c'est bon, ça va, ça va. Reste là. Hey, j'arrive à me fuser. Oh non, putain, non. C'est bon, je vais ça. C'est bon, je vais ça. Passe-moi. Passe-moi, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, je crois que tu vas. Oh. Allez, tu vas là où il y a le canal. Hein. Tiens-le bien. T'as vu ce qu'on a fait à ta petite pute, là? Hein? Ben, on va te faire pareil. On prendra la petite rue à gauche. Hein. Je vais tout vous expliquer. Ferme-la, ferme ta gueule. Tu sais comment on appelle un mec qui parle condé? Tu connais pas, putain. Hein? Ah bah, s'il te plaît. Vous avez entendu, les gars? Il m'a dit, déconnez pas. T'as voulu me doubler, espèce d'enculé, va. On peut se ranger à base, je ferai ce que tu veux, je te jure. Attends, attends. Vas-y, règle-lui son compte, ton cul. Mais ça va! Pourquoi tu fais ça, moi? Explique-moi. Mais je sais pas, je te jure, je sais pas. Allez, mais je sais pas. Passe, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, arrête. Pas le temps. Quoi, arrête-moi. Arrête. Arrête! Monsieur! Tu veux me niquer, moi? J'avais pas le choix, putain! T'avais pas le choix, espèce d'enculé, va! Allez, garde-toi! Tiens! Comment ça? Tiens! Je fais quoi? Je fais quoi, moi, s'il te plaît, frère! S'il te plaît! Tu sais ce que c'est, ça? Hein? Mais je te passe voir? T'es sûr, y'a personne là, lui? Fais gaffe, attends, tiens! Lâche-moi! Ta langue de pute là! Tu sais ce qu'on va en faire, ta petite langue de pute! Mais tout le tasse, tout l'a fait! Lâche-moi! Lâche-moi la clé, putain! Voilà, je tiens! Lâche-moi, je te dis! Putain, c'est rendu! Il va m'en faire! Il va m'en faire! Arrête!